Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pokémon Épée. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va s'attaquer à la nouvelle arène qui est ici. Hein. Je vais vous remontrer sur la carte, donc le sixième badge. Ici, ça se nomme Ludoster. Et du coup, voilà, j'ai acheté les vêtements donc, de cette ville qui coûte très très cher. C'est-à-dire que vous en avez au moins pour... Et sans déconner, elle est presque 60 000 pour l'achat des vêtements. Je vous jure que c'est vrai. Parce que j'étais à plus de 150, 40 000, voire 130 000. Et j'ai tout perdu, en fait, juste acheter les vêtements. Donc voilà, on est arrivé dans cette fameuse ville enneigée. D'ailleurs, c'est surprenant. Enfin, ça me rappelle Pokémon Y et XY. Du coup, il y a des gens. Et vous avez peut-être pu voir un rajout de vidéos, donc sans ma voix. Parce que c'était tombé comme ça soudainement, donc dans l'hôtel. Et du coup, j'ai trouvé ça comique en fait, voilà, de trouver le coupable et le mec, voilà quoi. C'est si c'est que l'enseignant de galère serait venu penser leur plaie. On peut pas y aller. D'accord. Donc nous, on va s'attaquer à la reine. Donc très content. Bon, on avance. Hein, de toute façon, on va le finir le jeu, ça c'est clair. De toute façon, j'y joue beaucoup ces derniers jours dès que je peux filmer. Et je fais beaucoup d'échanges. Ah oui! Et en parlant d'échanges, regardez. Regardez ce que j'ai eu. Alors j'ai fait beaucoup d'échanges, donc ça j'ai des nouveaux que j'ai eu comme ça. Et j'ai eu le Ponyta, justement, de la version bouclier, donc en échange comme ça. Donc voilà, j'ai le Ponyta Psy. Dresseur d'origine Valok, donc il doit avoir la version bouclier. Il est niveau 1, c'est un British qui me l'a envoyé. Donc merci à toi, même si tu retomberas jamais sur mes vidéos, c'est pas grave. Mais voilà, bon, bah, moi je continue. De toute façon, j'ai vu qu'il y a une baisse de vue, là, mais phénoménale. Mais c'est pas trop grave. Je me suis dit que je vais continuer, c'est pas trop grave, voilà. Mais après, bon, je sais pas si je continuerai Painkiller, je crois. Et puis après, je pense plus... je pense juste faire des noobs en cuisine, et puis voilà, quoi. Parce que là, ça, c'est un peu chiant. Que je déprime, j'aimerais avoir un... D'accord, bah, déprime tout seul dans ton coin. Ok, bah allez, on y va. Normalement, toute l'équipe, elle est prête. Alors, je crois que c'est des Pokémon soit de type glace, soit de type roche. Ah, putain, alors, voilà ce con. Il va être tout content. J'ai perdu. Non, c'est une blague. Je crois que j'étais pas prêt à me frotter au type roche. Pourtant, j'ai copié la stratégie du frangin. Je pige pas. Enfin, c'est pas grave. Tiens, voilà la carte de ligue du champion. Étudie-la avant de l'affronter. Chaz. Bon, j'ai la carte devant votre album de cartes. J'ai vraiment du mal à monter une équipe qui tient la route, c'est compliqué. Du coup, s'il a perdu, ça veut dire qu'il est plus en lice. Lune ball, ah. Une Pokéball un peu suisse qui pense que... D'accord. Ouais, trop de la balle. Mais du coup, ouais, donc il a perdu. C'est cette dresseuse-là, on n'arrête pas d'en parler. Ah, on parle de moi. Et c'est pas la dresseuse dont il parlait aux infos. Ah, c'est excellent. Pour affronter le type auquel on est faible, il ne se fait pas d'être courageux. Ne relâche pas ton attention parce que tu t'approches du but, au contraire. Il neige sur la ville pour mon combat, c'est comme si la météo m'encourageait. Du coup, c'est type roche, donc on va prendre notre petit Pokémon haut. Laser Game, je vais l'appeler Laser Game, voilà. Donc niveau 46, mais c'est con. En fait, ce que j'aimais bien dans Pokémon XY, c'est qu'on parlait un peu de... Ouais, si, c'est ça que je voulais faire. On parlait un peu de l'avancée de l'histoire. Vous savez, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais on parlait d'un truc genre à la télé, comme quoi que un dresseur ou une dresseuse aurait arrêté la Team Rocket, enfin la Team Truc. Du coup, voilà. Alors, Chaz, c'est lui. Beaucoup bon. Ok. Si tu le dis. Allez. Laissez-moi deviner, tu es là dans le cadre du défi des arènes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Va donc te changer dans les vestiaires. Pour la mission, tu auras besoin de ceci. C'est un détecteur de pièges, tu comprendras vite. Oh! Peut-être
Peut-être que ça va être plus hard là la mission. Mais il a perdu, mais faisait une tête, genre il souriait le mec, tu sais. Ah putain, ça y est, je suis avec là. Attention, il y a une entité. Bon, je vais t'expliquer les règles de la mission d'arène de lutte de Star. Ton détecteur de piège va te servir à déceler la présence de fosses dissimulées dans le sol. Car oui, sous ce parcours se cachent des pièges invisibles à l'œil nu. Si tu tombes dans l'un d'eux, au cours d'un niveau, tu devras reprendre celui-ci. Mais le détecteur de piège est là pour t'aider. Il se mettra à vibrer de plus en plus fort à mesure que tu approches d'une des fosses. Fie-toi donc à lui pour ne pas tomber. D'accord. En gros, tu dois juste avancer, trouver le bon truc. 1, 2, 2, c'est bon, tu m'entends? Excellent. Bonjour. Je suis avec mes baguettes comme un idiot. Alors ça y est, t'as compris comment te déplacer dans le stade de Leaderster? Bah oui, bah en même temps. Alors ça va se battre. Au revoir à Rakayu. Ah non, j'ai oublié. Niveau 38. Ouais. Je sais pas si ça s'est retranscrit au... Je pense pas que ça c'est à la télé que ça retranscrit. J'ai vu que tu ne manquais pas de confiance en toi pendant ce combat, moi par contre... ça... J'y peux rien moi, hein, j'y peux rien, hein, voilà. Donc du coup, on repart. À mon avis, ça va être trop facile là. Là-bas c'est mort, donc par là-bas. Ah bah non. Par là-bas alors du coup. Tout en finesse. Putain, ça t'explose. Ouais, continue comme ça. Oh putain, je crois pas. C'est encore plus grand. On y va confiant ou pas confiant? Pas confiant du tout. À mon avis. Merde. Je savais plus d'où je venais. Non, c'est pas là. Ah, là, c'est les trois. Salakis au bon les deux bois. Mais non, là, je fais de la merde. Je vais aller trop vite. C'est assez comique comme truc. Et si en fait on partait, à mon avis, alors par là, donc tout droit ce serait. Non, donc c'était le bon chemin que j'avais pris. Reste à savoir. Ouais, c'était ça, voilà. Ah, tu vois les Pokérush, ils sont mais alors super. Ouais, bref. La Rosaline envoie un Tabarak. Ça va falloir que je fasse le tri. J'ai oublié de faire le tri de mes vidéos.
Il y en a plus. En tas de baraque. 15h38 les amis. Aïe, les Argus se montent de niveau. Non mais pour de vrai, ils sont forts les Pokémon Roche. Pas convaincu, c'est pas ton type, non. Moi je suis du type dragon. Je kiffe les dragons. Et trop facile là. Ah ouais, mais c'est bien ça. Eh bien. Chaz, il a trop la classe. Il a un corps d'athlète, il est toujours bien habillé. Non, Percy, il y avait un corps d'athlète et sa tête n'allait pas du tout avec son corps. Wagomine. C'est moche comme Pokémon. Enfin, tu te dis, putain, la prochaine fois, ils vont t'inventer quoi, quoi? Un caddie avec des courses dedans? C'est déjà fait? Ah bon. Bon, je crois pas. Et hop! Chaz est toujours à la place d'un jeu incomparable. Oui, Chaz, on sait, t'es amoureux de lui, c'est bon. Et à mon avis, faut passer par là. Ok, putain. Eh bah. Alors, c'est bon, on peut continuer. Il y en a encore ou pas? Oh putain. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est pas du jeu. Par là, ah c'est bon. On a trouvé... Il y a un dresseur là, dis-moi qu'il y a un dresseur. N'essaie pas de te cacher, Challenger, je sais que tu es là. Non mais je me cache pas du tout, Mary Poppins. Mais du tout. Claire, la dresseuse de se battre. Un simularbre. C'est pas de type combat ça, du coup j'ai aucune chance. Eh, vous êtes en train de tricher là? Bam! La fessée. Oh, il lui reste un point de vie. C'est la fermeté de Simularm. Ah, mais de toute façon, m'échapper, je m'en tape. Hein. Allez, un petit coup bas et on n'en parle plus. Voilà. Par là, non, par là-bas, c'est mort. Là-bas, c'est mort.
Voilà. Mais non, et je voulais pas avancer. Sérieux, est-ce que ce monde est sérieux? Ah, un truc. Ça y est, on y voit, on y voit. Putain, j'y crois pas. Oh, c'était chaud. Donc, il y avait qu'un dresseur là. Bon, bah on y est arrivé, les amis. On va faire une petite sauvegarde. C'était bien, 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 bien. Tu peux avancer, je t'attends sur le terrain. Ah, c'est lui en fait qui me parlait par un micro. Mission accomplie. J'ai pas l'air con, on dirait que j'ai deux petits trucs de la soudure là. Petite bourbane à soudure. Allez, c'est parti pour le match, les amis. Match. On va débuter. Salut, moi c'est Chase. On ne peut pas dire que tu m'as impressionné pendant cette mission. Mais bon, tu t'es accroché pour la compléter, c'est déjà ça. Ça me fait de la peine de devoir humilier publiquement une petite jeune qui se lance. Mais je compte bien utiliser ce combat pour prouver la supériorité écrasante de mes Pokémon. Chase. C'est parti, 4 Pokémon, Golgopat. C'est quoi ce truc moche? Ah, c'est l'évolution du petit truc. Tout ça pour ça quoi. Allez, tout le monde monte de niveau, c'est cool. Un Karatrok, non, on continue hein. Ah, vous avez vu, il y avait la rotation genre caméra de télé. Et hop, c'est fait. On continue. Je sais plus c'est quoi un dolman. Ah oui, c'est ça. Ouais, en fait, non. Ah oui, c'est ça, mais j'ai jamais vu. Je pense qu'il va être badass lui. Il parle pas lui en fait hein, là sur le coup. Peut-être là il va peut-être se mettre à parler. Là.
continue. Ce n'est pas fini, tu n'as fait que m'ébrécher, tu ne m'as pas encore réduit en poussière. Mon coco, t'es prêt? La 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 la. La 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 la. J'adore la musique. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dresse-toi, passe de rocher. Ta la 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 la. Super efficace. Vous avez vaincu Chase. Alors, moi qui pensais te vaincre sans problème, je tombe de haut. Ah ouais. Alors, pas mal, pas mal. Comme convenu, voici le badge Rush. Merci mon poteau. Et hop là. Oh, le dernier, ça doit être un gros badge. Hein. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 50. Oh, ne t'en fais pas pour moi, je vis bien la défaite. Bien, 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 bien. Je vais juste reprendre l'entraînement à fond. Pour fêter ta victoire, tu obtiens cette CT. Ton broche. Ok, on reçoit ton broche. Ok, ça marche. Et hop, un cadeau, l'uniforme. D'accord. Il neige sur eux. J'arrête d'être fan de Kabou, c'est le master maintenant. Je me faisais du souci pour rien, aucun risque que tu relâches ton attention au combat. C'est que j'adore les petits commentaires comme ça. Encore un combat qui va finir en prime time. C'est bien de préparer une stratégie, mais si on est planté, ouais d'accord. Bah, écoutez, alors du coup Nabil là il est parti pleurer. Super combat, c'est pas une arène facile à surmonter, mais tu as assuré. Quoi de mieux pour fêter une victoire qu'un bon restaurant? Et ça tombe bien, il y en a un à Ludaster. Allez, te fais pas prier, on se retrouve à Bob's Grill, il y a un truc dont je voudrais te parler. Ok, donc on va venir, on va aller lui parler, et on se quittera juste après, les amis. Ah, oh, il y a un truc dans le coin. Ok. Ta-da. Petite sauvegarde au passage. Bon voilà, bah, en fait le type roche là c'était... Bah dragon par contre je sais plus c'est quoi. C'est pas le type fée contre le dragon. Alors qu'est-ce qui se passe? Salut Kalia, c'est bon, t'as le badge? Cool. Ah, tu es là, on t'attendait. Je dois vous dire, contre ces histoires de nuit noire et de Pokémon avec une épée et un bouclier, je suis un peu perdu. Attendez. Mais c'est quoi ça? Un poster trop stylé. Les deux héros ont l'air désespérés. Où sont passés l'épée et le bouclier? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Un sceau? Intéressant, mais s'ils sont scellés, peut-être qu'ils sommeillent quelque part? Dites, si on en croit les statues d'Olcher, l'épée et le bouclier, en fait, ce serait de Pokémon, non? Oui, c'est ce que je comprends, en tout cas. Tu te souviens du Pokémon chelou qu'on a croisé ici? C'était l'épée ou le bouclier? Mais si, tu sais...
Oui, je savais que je pouvais compter sur toi. On a croisé un Pokémon bizarre dans le brouillard de la forêt de Sleepwood. Est-ce que c'était l'épée ou le bouclier alors? Ah mais oui, c'est vrai, vous êtes aussi entrés dans la forêt de Sleepwood tous les deux. Grand-mère m'a raconté que vous avez commencé vos aventures sur les chapeaux de roue, dites. Racontez-moi ça pendant qu'on mange. Vous savez ce que vous commandez? Parce que moi, oui. Ok, qu'est-ce qu'on commande? Allez, chips bolognaise! D'ailleurs, eh ben, c'est quand même fou ce qui vous est arrivé. Enfin bref, maintenant qu'on a fini de manger, j'aimerais jeter un œil à l'attraction principale de l'Universal, la source du héros. Vous venez? Putain, en fait, tu m'emmènes partout. La source du héros. Ah ben, c'est là? La source du héros. Maintenant, ses bases sont réservées aux Pokémon. On raconte que c'est ici que le héros de Galar serait venu se délasser et panser ses plaies après la bataille contre la créature maléfique. Enfin, je dis le héros, mais on a découvert qu'il y en avait deux en fait. Cette histoire de héros, ça m'intrigue. J'aimerais vraiment avoir plus d'infos. Et vu que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood, peut-être que vous êtes destinés à devenir les héros des temps modernes tous les deux. Il y a un héros qui a une épée et l'autre qui a un bouclier, c'est ça? Je veux le bouclier. Je me demande comment se battraient les héros. Allez, on montre comment. Je vous ai payé ou quoi, mais j'ai trop la forme. Alors, on va te faire un combat du tonnerre. C'est pas ce qui va faire avancer mes recherches, mais je m'en fiche, je veux le voir le combat. Allez, on se fait ça. Par contre, s'il pouvait arrêter d'enchaîner les cinématiques. Ce serait cool. Ta-ta-da. C'est bientôt l'heure du goûter, ma belle. Ah, bah il a repris son moumouton. Et il a évolué. Je compte sur toi. Oh là 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 là, Nabil. Je sais pas si c'est efficace ça, mais. Bah oui. Allez, tiens bon, je suis avec toi. Ah oui, non, il compte sur lui, sur son moumoufle. Ouais, bah, c'est mort. Moumoufle, il est mort. Ah merde, je suis touché par la graine. Un Watapic, c'est quoi un Watapic? Bon, oh, écoute, on va continuer, on verra bien. Mais qu'est-ce qui m'a sorti des trucs chelous, lui? Ah, c'est électrique! Je savais pas que c'était électrique! Je connais pas, en plus, il y a le nez, on dirait des petites fesses. Un pire au but. Bon, on va continuer. Voilà, on va l'éteindre tout de suite. TK TK! Voilà. TK 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 TK! TK 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 TK! Elle me répond en plus, c'est ça qui est stylé. Alors, Corvaillus, il va. Hop! Continue. TK! C'est juste efficace, mais pas non plus un truc de ouf. Ce que je vais faire, c'est que déjà dans le sac, je vais me donner une. J'avais une hyper potion, on va faire comme lui la dernière fois, de toute façon. J'ai la flemme de changer de potion. TK 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 TK. Allez, on fait un cobrèche. TK. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle?
Bien. Allez, plus de ronflex. Boîte d'acte de là. Dracolax 55. Alors il envoie qui maintenant? Écoute, on va changer, on va prendre... T'as cru que t'avais le dessus? T'inquiète, ça va pas durer. Oh là là, Nabil, Nabil. T'as déjà pas eu ton batch. Si ça se trouve, il a eu son batch rush et puis genre... Hein. Oh merde, c'est pas très efficace. C'est pas grave, on va faire hyper potion à lui. Ok, je change, je reprends lui, et on l'achève. Putain, je suis à peine revenu que je me prends déjà tout dans la gueule. Allez, une aquabrèche. TK TK. Allez, deux niveaux. Ouais. Ah bah je l'ai battu, c'est bon. J'ai peut-être perdu cette fois, mais je sens que ça vient. Merci vous deux, c'était un super combat. Tarak ne va pas rester invaincu longtemps à ce rythme. Sinon, c'est quoi le plan pour vous maintenant? Perso, je vais aller faire un tour dans la forêt de Sleepwood, j'ai ma petite enquête à mener. Je vais rentrer, je vais retenter ma chance à l'arène. Jusqu'à ce que je réussisse à avoir le badge, une fois que ce sera fait, je filerai vers la route 9, direction Smanching. Sur ce, j'y vais à plus. J'espère que ça lui aura un peu remonté le moral, cette petite pause. Tarak se fait du sang donc quand Nabil ne va pas bien. Et toi aussi, j'ai envie. Enfin bref, à plus. Mais non! C'est quoi, Shambi Shambi? Ah là 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 là. Bon, les amis, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je crois que c'est ça, en fait. Shambi, c'est ça, en fait. Non, c'est ça, Shambi. C'est Kishanham. Ah non, Shmashming, ouais d'accord, c'est là. Donc il va se passer quelque chose là. Ok. Bah écoutez les amis, on se dit à la prochaine et portez-vous bien, bye bye.